Colis déposé. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, on va vous donner 5 règles d'or pour réussir vous aussi à vous transformer physiquement. Donc la première règle d'or, ça va être de définir votre objectif, savoir ce que vous voulez et d'où vous partez. Voilà, donc d'où vous partez et ce que vous voulez. C'est pareil. Dans l'ordre. Donc pourquoi savoir d'où vous partez ? Ça va entretenir votre motivation. Donc il faut prendre ses mensurations, peser, savoir quel poids on fait. Simplement. Et comme ça, au fur et à mesure des semaines de votre évolution, vous allez voir les résultats et ça va entretenir votre motivation. Et prenez des photos aussi de quand vous avez commencé, quand vous avez un manque de motivation. Vous regardez d'où vous partez, où vous êtes et voilà. C'est reparti, vous allez être motivé. Donc, vous savez où vous êtes. Donc, moi, je suis en surpoids, par exemple. Tu fais 120 kilos, là. Voilà. Sais que mon objectif, c'est de perdre du poids. Lui, arrivé à combien ? Je sais pas, mais je vais mettre... Tu fais 1m75, tu fais 120 kilos. Tu vas arriver à combien ? Pour être bien dans ta peau. 1m75, je fais combien ? 120 kilos. Putain, je suis dans la merde. T'es dans la merde, je vais pas te mentir. On va se dire 75 kilos, hein, mec. Ouais. Taille... PDC 0, comme ça tu sais que tu peux faire n'importe quel sport et être performant. Donc voilà mon objectif, je l'ai en tête et tous les jours j'y pense, les gars. Donc si je vais à la salle, je sais que c'est pour atteindre le PDC plus 0. Si je mange du riz d'Inde, même si c'est pas ce qu'on vous préconise, c'est pour ça, c'est pour atteindre le PDC 0. Donc avoir un objectif clair et net, bien dans sa tête, qui nous réveille chaque jour pour accomplir les bonnes choses, tu vois. Ouais, c'est ça. Tous les jours des petits objectifs. Quand tu sors du lit, tu sais c'est pour faire quoi. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, il va falloir mettre des choses en place et la priorité c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Les gars, la musculation c'est pas que l'entraînement. Il faut comprendre qu'il y a l'alimentation qui va avec, le sommeil et on pourrait même rajouter le stress. Ouais, c'est parce que c'est ce qui régule les hormones et nous on veut que de la testo, on veut que des bonnes hormones dans notre corps. Donc les gars, si vous avez l'habitude de vous coucher à 2h du matin, oubliez. C'est fini les gamers. C'est fini. Si tu veux te transformer physiquement, commence à dormir allez, à 23h maximum, c'est dans ton lit. 7h minimum. Voilà. Le strict minimum c'est 7h, obligé. Donc t'arrêtes CSGO, t'arrêtes LOL. League of Legends c'est terminé ou plus tard, mais ça aspire ton âme, ça t'es pas focus sur la diète. 7h à 3h du matin. Alors faut avoir vos priorités. Si tu sais que ça y est, là il est 22h, faut décrocher. Tu dois déjà penser à ta séance de demain, à ce que tu vas manger demain, à t'organiser. C'est ça. Parce que t'as l'entraînement qui est important et t'as l'alimentation. C'est ça. De toute façon, souvent, quand t'es motivé et que tu mets une bonne hygiène de vie, 22h il arrive, tu te dis, faut que je dorme pour être sûr de faire une bonne séance demain. Tu le sais dans ta tête, tu vois. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que cette transformation physique, elle va vous aider aussi à vous accomplir dans votre quotidien. Donc même dans le travail, dans vos relations personnelles, vous allez ressentir que cette transformation physique, elle vous fait du bien. C'est ça. N'hésitez pas les gars, définissez vos objectifs, ayez une bonne hygiène de vie. Et on va passer à l'étape 3. Faites du sexe. C'est pas ça. Donc règle numéro 3, entraînez-vous comme des titans. Ça veut dire qu'il va falloir des entraînements intensifs. Il faut qu'ils soient fréquents, il ne faut pas que vous entraîniez une fois dans la semaine et c'est bon, le taf est fait. À part des jours fixes, par exemple lundi, mercredi, vendredi, je sais que je m'entraîne, j'y vais et j'y vais pas pour commencer à parler avec les potes, jouer Uno sur la table. T'y vas, 1h30, tu casses tout, tu te défonces, tu sors, t'es KO et le taf il est fait dans la semaine. Voilà, brassez pas de l'air à l'entraînement et surtout si vous savez que vous avez entraînement, il n'y a pas d'excuse les gars. C'est vous devez y aller, ça doit être votre priorité. Ça. Si tu veux te transformer physiquement, faut que ça devienne ta priorité. Faut mettre un peu de côté. Le travail, faut mettre un peu de côté la copine, obligé. Ça doit être ta priorité parce que c'est important de se sentir bien dans son corps, ça va t'aider dans ta vie tous les jours, donc c'est normal de délaisser un peu les autres côtés de la vie, hein, même si les autres sont importants, la famille, les amis, tout ça c'est important. De toute façon, sa santé, son bien-être, c'est tout aussi important. C'est le plus important même, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, tu peux pas être heureux si t'es pas bien dans ton corps. Donc faites des concessions, organisez-vous pour être sûr de pas rater votre séance et si vous avez séance, allez-y les gars. Et pensez aussi à bien vous reposer. Grosse séance, votre corps est fatigué. Pensez à vous reposer. N'en faites pas trop non plus. Évidemment. C'est pas dedans, c'est que t'es sûr. Ok, donc la cinquième règle d'or, les gars, c'est de mesurer ses résultats. On en avait parlé en introduction. Ça va vous permettre d'entretenir votre motivation. Si t'as un petit coup de mou, regarde d'où tu viens et tu verras que tu vas être motivé à poursuivre tes efforts. C'est ça. Parce que t'es pas loin du but. Il y a des gens qui s'arrêtent alors que s'ils avaient poursuivi un peu leurs efforts, ils auraient atteint ce qu'ils voulaient. Ils auraient atteint leur objectif. C'est ça. Donc faut jamais rien lâcher, les gars. Si vous avez commencé quelque chose et que vous êtes déterminé, si vous savez que c'est important pour vous d'y arriver,
Ne lâchez pas, vous pouvez le faire. Il y en a plein avant vous qui l'ont fait, donc vous pouvez le faire. Même regardez votre progression, vous voyez qu'au développé couché, vous avez atteint les 100 kilos. C'est déjà une victoire, voilà. T'es déjà content, tu vois. Il y aura plein de petits résultats qui vont vous entretenir votre motivation. Prenez-les, mesurez votre progression, que ce soit le poids, que ce soit vos mensurations, que ce soit les photos, que ce soit vos perfs. Chaque petit détail compte. C'est ça, entre d'où vous partez et votre objectif final, il y a des petits objectifs entre deux, des paliers. Et à chaque fois que vous atteignez un palier, c'est une petite victoire jusqu'à l'objectif final. Voilà, ah, c'est bien. Je voulais rentrer dans la philosophie. Ah, mais je te le sais, je t'ai vu. C'était pas l'objectif le plus important, mais c'était la quête. Ou je sais pas quoi, tu comprends un peu le principe. Il est là pour jouer à Zelda. Mais en gros, notre but, c'est pas c'est d'atteindre un corps idéal. Bien sûr. Mais ce qu'on apprécie dans ce sport, c'est le chemin pour y arriver. Bien sûr. C'est que tous les jours, ben, j'ai ma petite routine, je vais à la salle, je mange bien, et ça me permet d'être meilleur dans la vie de tous les jours. Donc accrochez-vous à vos petites victoires quotidiennes pour atteindre votre objectif final. C'est ça. C'est beau quand même. C'est magnifique. Je suis parti dans tous les sens au début, mais je me suis bien rattrapé. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis. On va passer à la cinquième règle qui est de croire en vous. Ça veut dire si d'autres personnes l'ont fait, pourquoi vous ne le pourrez pas ? Bien sûr. Faut que vous croyez en vous. Si toi, tu ne crois pas en toi, c'est pas ton ami qui va croire en toi pour toi. C'est vraiment à toi de faire la chose. En gros, aussi, il y a des amis qui peuvent croire en toi. Ouais, mais c'est à toi de croire en toi. Mais c'est toi qui vas l'accomplir. Ouais, c'est pas lui parce qu'il croit en toi, ça va être la magie, hop, c'est bon. C'est à toi de faire les choses. Et mais après, je te comprends dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand tu commences un régime et tout, faut pas se référer aux autres. Non, mais t'es à la cantine avec tes amis. Ils vont voir que tu manges un peu bien moins d'habitude. Sûr. Ils vont commencer à te poser des questions. Ils vont te dire pas calculer. Pourquoi tu fais ça, calcule tu vas jamais y arriver parce que eux ils n'y arrivent pas. Bien sûr. Mais il y a plein de gens qui l'ont fait. Capable. Vous pouvez le faire. Bien sûr. Du moment que les objectifs sont atteignables, on va dire pour la personne en question. Par exemple, faut pas commencer à regarder un mec. Des mecs chargés ouais. Et dire je vais atteindre voilà. Ça faut pas déconner. Ça doit vous servir de motivation, c'est tout, mais c'est pas un but à atteindre. Mais en tout cas c'est faisable, nous bien je sûr. Sais on n'a pas la recette magique parce qu'il n'y a rien de compliqué en fait les gars. Faites-le quotidiennement, matrixez-vous mentalement aussi et tous les jours faut penser à votre transformation c'est physique. Voilà. De toute façon tu prends deux humains, il y a un mec, il sait courir une heure, toi tu sais pas, il a quoi? Il a deux jambes, il a deux bras, il a une tête, un corps. T'as la même chose, pourquoi tu serais pas capable? Non, on veut pas être des sportifs de haut niveau, donc c'est donné à tout le monde de perdre un peu de poids, de se dessiner musculairement et d'être en bonne santé aussi, les gars, c'est important. T'es déjà fatigué, grosse journée là. Ça y est, on a fait 4 vidéos. Ta vidéo là, moi je m'en vais. Bon, j'espère qu'après cette vidéo là, vous allez retourner à la salle ou que dès demain vous allez commencer à avoir un petit plan d'attaque pour entamer votre transformation physique. Donc voilà pour les 5 règles d'or, les gars. Donc la première, définissez-vous un objectif. La deuxième, ayez une bonne hygiène de vie. La troisième, entraînez-vous comme des titans. Voilà. La règle numéro 4, mesurez vos résultats. Et la règle numéro 5, croyez en vous. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Kidjo. Bah non, parce que le dos il va par là. Ouais, mais après il va aussi par là un peu. Kidjo Fitness. Et on va passer à l'étape 3. Faites du sexe. C'est pas ça? Je sais pas, mais ça peut vous aider.